Salut tout le monde, bienvenue à Vidéo Invité. Cette semaine, c'est bien spécial. Je dois vous dire que je suis très contente de recevoir notre invité cette semaine, Jojo Savard. Bonjour, Nounou. Elle donne tout le temps des becs de même. Je dois dire quelque chose avant de commencer, oui. Jojo. Je m'attendais ce matin à voir arriver le personnage de Jojo, là, I love you, I like you, puis tout énervé, puis la grosse robe, puis tout ça. Et non, j'arrive devant une femme d'affaires très posée, très calme, avec un grand sourire. Je dois te dire que je suis surprise. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a tendance à penser que Jojo Savard est tout le temps de même, est tout le temps wouhou, mais c'est un petit peu un personnage que tu... Non, ma ligne à moi, c'est what you see is what you get, and what you get, you don't forget. OK. Fait que même si t'es habillé en jeans ou t'es habillé avec des choses un peu plus le fun, ben écoute, c'est ta musique plus, ou un jour t'es à New York ou t'es à Montréal, ben selon ma fantaisie, moi je trouve m'habiller, c'est une histoire d'amour. Comment du tu fun. Alors si j'ai le goût aujourd'hui, je voulais mettre une robe rose. Bon, je suis arrivée puis j'ai dit, je sais pas pourquoi, j'avais plus le goût de même, je me sentais de même. Fait que je me présente comme ça, en autant que j'aime le monde. Donc le caractère reste le même. Je suis vraiment what you see is what you get. Moi, je me considère comme authentique à 150. Puis je peux aussi bien faire du shopping, là, habillée avec un robe bonbon. Hein? Oui. J'ai le goût de me mettre une couette grosse de même. Là. Il n'y a personne au monde. Si j'ai le feeling à 7 h le matin d'aller faire ça, je vais le faire. Oui. Faut toujours faire ce qu'on veut dans la vie. En autant qu'on ne fait pas mal à personne. Donc, tu suis beaucoup l'amour en dedans et la créativité tout le temps, le soleil, les couleurs. Puis il faut pas que la vie soit plate, il faut qu'elle soit drôle. Il faut danser, il faut chanter, il faut crier, il faut faire des folies. C'était le fun parce qu'on a parlé beaucoup avant l'émission depuis que tu es arrivé au studio. Et tu m'expliquais pourquoi tu es comme ça. Parce que des fois, on a l'impression que les gens qui disent moi, j'aime tout le monde, puis tout le monde a du bon à quelque part en dedans, puis tout ça. Des fois, on a l'impression que ouais, tu sais, c'est pas tout à fait vrai. Mais toi, tu penses vraiment comme ça et tu m'as expliqué pourquoi. Les gens, on voit toujours ce qu'on appelle la technique du miroir en psychologie, puisque j'ai appris en Inde, moi, avec beaucoup d'expérience avec les accidents. J'ai été très initiée. Hein. J'ai eu un très gros accident. J'ai eu le front défoncé. J'ai eu énormément de problèmes. J'ai déjà eu un bras paralysé. Passé près de mourir. Oui, passé près de mourir. Trois semaines dans le coma. Tu qu'on ira peut-être un peu plus tard dans ces détails-là. Ce qui fait que, étant initié, étant défoncé, tu deviens beaucoup plus conscient des bontés et des bénédictions de la vie. Moi, tout le monde est beau. Et on voit toujours chez les autres le miroir de soi-même. Oui. Les gens, quand tu veux te connaître toi-même, écoute comment tu parles des autres, tu vas avoir une mesure de bonne idée qui tu es. Alors, les gens qui recherchent toujours la beauté et la bonté chez quelqu'un, c'est des gens qui sont innocents, sont purs. Les gens sont en amour, là. Tu sais, quand tu tombes en amour, tout est beau. Du coup, ton pire ennemi, il est fin. Il est beau, il est fin, il est gentil. Tu pardonnes à tout le monde, t'es en amour. Oui. OK? Mais quand t'es malheureux, puis t'es frustré, puis t'es pogné, puis t'es envieux, puis t'as dit, on est tous humains, on vit dans un monde imparfait, puis on a tous des défauts comme tout le monde. Puis moi, j'en ai un million, moi, avec, comme tout le monde. Mais ce qu'il faut être compassionné et réaliser que tout le monde, il vit ses expériences pour apprendre ce qu'il y a à apprendre, puis que la vie, dans le fond, c'est une rose qui pousse dans la terre, dans les racines, dans le bout, dans le chenouc, puis elle passe dans sa tige, puis elle passe dans ses racines, puis après ça, elle passe dans ses feuilles, puis un jour, elle va s'éclater au soleil, puis tout le monde, il passe tout. Ça, faut jamais juger. Moi, depuis mon accident, puis j'essaie toujours de me forcer, même des fois, si les gens te blessent ou les gens vont te désappointer, il y a du monde qui... Ça n'a pas ton affaire, tu n'as pas la compatibilité comme toi et moi, par exemple. Ah oui. Il y en a là qui ne t'aiment pas tout de suite, puis tu n'aurais pas tendance à dire je t'aime, c'est plutôt tendance. Toi, là, tombe-moi pas sur ta mère. Oui. Alors, ce temps-là, il faut faire vraiment l'effort. Le seul effort qu'on doit faire dans la vie, c'est aimer de toute façon. Aimer ce qu'on aime. De donner une chance à tous. Puis de s'aimer beaucoup, beaucoup, s'aimer et dans tout ce qu'on fait, puis d'aimer le monde, même si on n'a pas le goût. Il faut être des héros d'amour pour s'assurer que tout le monde, on les aime, même ceux qui souffrent encore plus. Puis ceux qui sont les plus méchants puis qui critiquent le plus, on les aime encore plus parce qu'on ne pourra pas changer le monde. Puis moi, c'est ma job, c'est de convertir le monde entier au non-jugement, le respect des différences, puis de trouver justement la merveilleuse fantaisie du chef-d'œuvre de l'humanité que tout le monde, là, lui, tu vois-tu, il y a des pattes cute avec des beaux genoux. Toi, t'es une princesse de l'amour avec des yeux bleus. Une fée. Alors, moi, je trouve ça merveilleux. J'ai beaucoup mieux apprécié ton trésor de commencer à aller chercher c'est quoi ton choucourou qui a fait pousser ta fleur. Oui. Dans la rose, on se concentre sur la fleur. Moi, quand je ramasse la rose, c'est ça que j'essaie de faire. Je respire la rose, je suis en amour avec la rose. Je ne commencerai pas à dire, oh, ben, cette rose-là, elle a poussé dans le choucourou. Ça a pris bien du fertilisant, bien de la boue, puis il y a bien plu. Puis on se concentre pas sur ça. On se concentre sur la beauté. Tout le monde est un ange déguisé. On est des astronautes terrestres. On vient du monde des planètes. Notre vrai chez-soi, c'est ailleurs. Mais ta job, c'est de répandre l'amour universel. Tu as bien de la job à faire, mais c'est pas grave, t'es bien parti. Je voulais que tu nous présentes le premier clip que tu as choisi, Jojo. Green Day. Oui, Green Day. On le présente tout de suite. Pourquoi tu as aimé ça? Pourquoi tu aimes ça? J'aime ce genre de beat. J'aime ce genre de. Moi, j'aime toutes sortes de musique, mais il y a des beats préférés. Ça me donne
Ça, j'ai l'impression de m'élever un petit peu quand oui. j'écoute ce genre de musique-là. Parfait. Bien, présente-nous-le à cette caméra-là. De, okay. Green Day à VJ Invité. Green Day à VJ Invité. VJ Invité. de dire des secrets sur moi. Alors, je l'ai dit, on a annoncé l'émission depuis quelques semaines et je disais toujours, elle va faire ma carte du ciel, puis tout ça, puis elle va parler de moi. Et là, je suis vraiment très intriguée. Alors, Jojo, let's go. Je vais enlever mes lunettes parce que là, je me sens à l'aise avec toi. Donc, je vais pouvoir révéler le reflet de mon âme. Tu vas dévoiler ton âme. Okay, je pense qu'ils sont sur ton micro. Oh bon, ça va bien? Je pense qu'on va les mettre à côté, mes belles lunettes. OK. Bon. Eh bien, qui est cette merveilleuse... Bien, premièrement, c'est une princesse d'amour, comme vous le savez déjà. Le titre princesse. Que oui, princesse okay. d'amour et de tendresse. C'est un paradoxe. Dans ce sens qu'il y a un côté d'une force d'une caractère et le nom que je t'ai trouvé, c'est une citadelle d'intégrité absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui peut t'acheter. Même si t'es belle, même si t'es n'importe quoi, puis t'as du talent à mourir, on ne peut pas négocier d'acheter ton âme à quel moment dans ta vie. Et une chose certaine, c'est que j'ai un autre nom que je t'ai donné, c'est Valentine de l'esprit. Parce que tu penses beaucoup, beaucoup. T'es une fille qui adore rechercher, qui adore étudier, qui t'es fascinée. En fait, t'es une voyageuse née dans la tête, dans l'esprit, mais même probablement au niveau du monde. Tu veux toujours savoir plus, plus, plus. Une des choses que t'aimes le plus au monde, je pense, c'est faire des recherches, d'apprendre. Okay. Tu croques dans la connaissance, puis t'aimes tout le monde, toutes les cultures, les religions, les croyances. Le plus que c'est bizarre, le plus c'est différent, plus t'es intriguée, plus tu veux savoir comment ça pense, comment ça marche, que ça mange. Puis t'as vraiment un esprit okay. universel, pourtant conservateur. C'est comme paradoxal, très forte, d'une intégrité extraordinaire qui ne peut pas vendre son âme, mais d'un côté, d'une sensibilité comme une fleur. Quand on rentre en dedans de toi, c'est-à-dire que la personne avec qui tu habites maintenant, parce que là, j'ai décidé que dans ta charte astrologique, il y avait vraiment... Moi, selon moi, tu as rencontré l'homme de ta vie. Selon moi, à la fin de l'émission, je vais te dire si tu maries ou pas, mais mon feeling, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer au niveau des amours, surtout vers la fin de 96, mais 97, mais je vais te dire quoi. OK? En attendant, on va aller un petit peu plus loin. On va faire ça peut-être dans deux blocs. Au moins, c'est des belles nouvelles. C'est une vibration 10 de naissance, donc une chef naturelle, mais d'une simplicité inimaginable. Même parce que toi, tu vas faire ce qu'on appelle à Musique Plus ici. Je suis convaincue que tout le monde sait déjà qu'éventuellement, tu vas faire une carrière internationale. Tu es exactement dans le domaine dont tu dois être. Tu fais en ce moment ici, mais ça va évoluer dans le show business de plus en plus. Tu es une animatrice née. Et tu vas toucher même des niveaux éventuellement culturels. Tu vas peut-être même toucher le niveau politique. Tu vas toucher le show business. Mais éventuellement, tu vas pouvoir faire toutes sortes d'affaires dans le show business. Mais c'est toi qui vas être la leader. Mais je ne suis pas une chanteuse. Hein? Tu peux. C'est... Non, non. Tu pourrais faire toutes ces choses-là. Mais je crois que tu es beaucoup plus née pour remettre les gens Est-ce sur un piédestal. Est-ce que tu es une amoureuse de musique? Complètement capotée sur la musique. On a toujours de la musique à la maison, mais j'aime toutes les sortes de musique. J'aime la musique classique, j'aime le rock. Bon, le vu, t'as choisi du Green Day, Madonna, t'as choisi... Ah, oh, j'adore ça. Même du Phil Collins, du Bryan Adams. J'aime... Pas trop violent quand même, mais j'aime ça quand il y a du beat. Ouais. J'aime ça quand on marche à quelque part. Donc, tellement... Green Day, c'est ta limite. J'aime ça. Okay. Oui, dans tout ce qui touche à peu près ce genre de beat-là. Là, puis, moi, j'adore danser. Tu danses, j'adore. Ouais? Oh, moi, je danse jusqu'à la fin de mes jours. Je fais n'importe quoi. Okay? Et elle chante aussi. Je chante. Tout. J'ai un petit peu de guitare. Et s'il le faut, dans mon message d'amour, je fais n'importe quoi. Alors, je ne vais pas me contenter de me limiter. Puis, personne, limitez-vous pas rien. Puis, écoutez personne à part de vous autres. La loi de la nature, c'est être authentique, être vrai, avoir du fun, s'amuser, aimer jusqu'au bout de son âme, puis de suivre son feeling, puis de vivre son côté unique. Si tu as le goût d'avoir des cheveux oranges, ou de te raser la bolle, ou de faire n'importe quoi, mais qui fait pas mal à personne, go for it! Parfait. Notre vie nous appartient, puis c'est ça qui est merveilleux. Quel bon. Beau message. C'est vrai? Oui. C'est ça? C'est toujours du monde qui nous dit quoi faire dans la vie, puis nous critique. Je vais les aimer assez, là. Ma chère déesse des étoiles!